à tous sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler aujourd'hui d'un jeu de football absolument cultissime. Vous l'avez compris, on va parler donc de FIFA en route pour la Coupe du Monde 98. FIFA 98 tout simplement, donc édité par Electronic Arts et développé par voilà, EA Sports, EA Canada et pas mal d'autres aussi studios parce qu'il y avait plusieurs versions. Il y avait la version Game Boy, les versions Mega Drive et Super Nintendo, on avait les versions PlayStation, Sega Saturn et Nintendo 64, évidemment PC. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai jamais été un fan absolu des FIFA sur l'époque PlayStation. J'étais à l'époque déjà en mode pro, ISS Pro, ISS Pro Evolution, ISS Pro 98. Il y avait la guerre FIFA entre, voilà, contre ISS Pro. Mais ce FIFA 98, je me rappelle comme si c'était hier, quand j'avais acheté, parce qu'il nous avait beaucoup marqué. Alors, il y avait forcément l'effet Coupe du Monde. C'était en route pour la Coupe du Monde 98. Il y avait eu le jeu aussi Coupe du Monde 98 tout court. Mais voilà, ce FIFA-là, intégrer aussi les qualifications, etc., on va le voir tout de suite après. Mais ouais, il m'a marqué parce que, voilà, un jeu sous licence officielle, on avait plus de 170 sélections nationales sous licence. Je crois que c'est un des FIFA les plus complets avec FIFA 2002, qui bénéficie vraiment d'énormément de nations, sans compter les clubs, évidemment. C'est ça aussi qui, voilà, quand on a 10-12 ans, forcément, on est happé par ce... Par ce jeu, putain, avec David Ginola en plus sur la jaquette, il y avait les commentaires de Thierry Gilardi, de voilà, Jean-Luc Reichmann et tout, on va voir ça tout de suite. Mais voilà, ça me faisait plaisir de me remettre un petit peu dessus, parce que même s'il est très orienté arcade, il n'a strictement rien à voir avec ISS Pro, ce FIFA-là, avec le 99, eh ben, il m'a bien marqué quand même sur cette époque 32 bits. Soit. Allez, c'est parti pour un petit let's play. Et on se retrouve donc sur le menu principal de ce FIFA en route pour la Coupe du Monde 98 avec déjà un menu principal en français, donc ça c'est déjà bien. Alors, les matchs amicaux où vous pouvez donc jouer avec les équipes nationales et les clubs évidemment, un mode Coupe du Monde avec carrément les qualifications, le premier tour puis la phase finale. Donc imaginez hein, quand on a dans les 10-12 ans à peu près, on a la Coupe du Monde qui arrive en France. Forcément, ce FIFA 98, avec ses licences officielles, bah, il fait toute la différence par rapport à des ISS Pro qui n'étaient pas encore sous licence à ce moment-là, surtout en termes de contenu, hein, évidemment. On avait bah, les championnats, parce qu'évidemment, on avait plus de 100, on avait 189 clubs sous licence. Donc c'est génial, les championnats, donc Allemagne, Angleterre, Brésil, Écosse, Espagne, États-Unis, le championnat français, la Serie A, Malaisie, Pays-Bas et Suède. On avait bah, évidemment l'entraînement et les tirs au but, et puis on avait aussi un mode modifié, hein, de la même façon que le mode modifié de ISS Pro, et le générique. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer un petit match amical France-Brésil, hein, on est en 98, hein, forcément. Je pense que même le truc, il est fait par défaut. Ah ouais, voilà, voilà, France-Brésil, voilà, parfait. France-Brésil, je choisis la France. Et nous avons les stades officiels, évidemment tous les stades. Là, on reconnaît tout de suite le Parc des Princes. Ça, c'est le stade aux États-Unis qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde 94, si je ne dis pas de bêtises, Australie, Corée du Sud. Ça, c'est l'ancienne Cruyff Arena, si je ne dis pas de bêtises, Trinité et Tobago, Suède, Cameroun. On a le foot en salle qu'on va regarder tout à l'heure parce que. Hey, FIFA 98, c'est le foot en salle. Tout le monde se souvient du foot en salle. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont connu le jeu. L'ancien stade du Bayern de Munich, Mexique. Là, on a le Camp Nou en Espagne, Japon, l'Angleterre. Là, on a le Maracana au Brésil, San Siro, Italie, Afrique du Sud. Voilà, 16 stades sous licence, donc c'est plutôt sympa. On pouvait changer, évidemment, bah, les mi-temps, la météo. Et si c'était le jour ou la nuit. Bon, on va jouer au Parc des Princes. Allez, c'est parti. On se lie le jour. Et attention. Voilà, petite vidéo de présentation. Ça aussi, ça envoyait du lourd, ça, à l'époque. Voilà, avec une petite image, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Eh oui, quand on a 10-12 ans, on est ouf quand on voit ça, forcément. Voilà, le Parc des Princes. Voilà. On va passer tout de suite au match. Avec des commentaires inoubliables, rappelez-vous. Bonjour et bienvenue, vous nous rejoignez à temps pour ce match entre la France et le Brésil. Soirée idéale pour le football. Le temps a été splendide toute la journée et le terrain est en excellente condition. Nous rejoignons en direct notre commentateur Thierry Gilardi.
Que des frissons d'entendre la voix du regretté Thierry Gilardi dans un jeu de football. Franchement, ça fait plaisir, mais en même temps, ça me rappelle la peine que j'ai eue quand j'ai appris son décès en 2008. Parce que c'est tout simplement mon commentateur préféré avec son timbre de voix si particulier. Il était tellement génial, Thierry Gilardi, quand j'y pense. Donc, il est accompagné de David Ginola et vous avez entendu Jean-Luc Reichmann qui présentait le match. Et franchement, c'était les meilleurs commentaires que j'ai eu sur des jeux de foot. Vous allez me dire, Hervé Matou, Pierre Ménès dans les FIFA un peu plus récents. Bon, les commentateurs d'ISS Pro et PES, ça par contre, c'était une catastrophe. Mais franchement, Thierry Gilardi, David Ginola et Jean-Luc Reichmann, franchement, je les oublie jamais. C'était génial, quoi. Allez, attention à la frappe. Oh, quelle lucarne déjà pour commencer, du coup, ce match. Alors, évidemment, on va revenir à ce FIFA 98. Jeu très arcade, à des années-lumière de la simulation d'ISS Pro 98. Et voilà, comme je dis toujours, il y avait deux écoles. Et FIFA 98 et 99, notamment, sont les deux meilleurs FIFA PS1 à mon goût. Ça, on se prenait pas la tête. Alors, pour accélérer, on martyrisait, du coup, le bouton triangle. On avait, du coup, cette facilité d'approcher le but beaucoup plus facilement qu'un ISS Pro. Donc, pour les jeunes, on va dire les adolescents qu'on était à l'époque, c'est sûr que c'était plus facile d'accès, évidemment. Évidemment que FIFA 98, ça a mieux marché. Alors que on va dire les puristes, entre guillemets, allaient sur ISS Pro, mais voilà, encore un but de Lizarazu. Mais c'était plaisant, franchement, c'était plaisant. C'était façon un petit peu Virtua Striker, mais en mieux quand même. FIFA 98, là-dessus, c'était quand même un peu meilleur. Alors, on va aller regarder un petit peu dans les options, parce qu'il y avait quand même pas mal de... Alors, il y avait la caméra, pour les caméras stats, classique, balle, aérienne, touche, gardien, terrain. Donc, pas mal de caméras différentes. On pouvait aussi aller dans la gestion des équipes. Hein. Alors, on avait la formation, on avait une stratégie, soit on se mettait en défense, soit en attaque. La formation, les coups de pied arrêtés, l'agressivité aussi. Voilà, genre par exemple, si je mettais Laurent Blanc, je le mettais en excité. On mettait tout le monde en excité, je vous rappelle. Ça, c'était excellent, quoi. Gestion d'équipe, voilà, on avait la formation en 4-3-3, 4-4-2, voilà. Soit on pouvait changer tout ça, absolument partout. Sélection des commandes, les statistiques des matchs, on pouvait regarder les buts, les cartons. Donc, vraiment, là-dessus, il était très, très complet. Et puis, pour les licences, vous avez vu, ce n'est pas l'équipe de France de la Coupe du Monde 98, c'était, vu que ce jeu est sorti un peu avant, c'était les joueurs qui étaient dans les qualifications. Donc il y avait Patrice Loco, il y avait Vincent Guérin, Alain Roche, il y avait pas encore Henri Trezeguet par exemple. Donc c'était l'équipe des qualifications en 97 notamment, avant qu'Aimé Jacquet fasse son 120, enfin c'est 23 quoi, tout simplement. Il y avait aussi Mbemba, attention, oh quel but, voilà. Je sais pas en quel mode difficulté je suis, mais ça doit être peut-être facile ou normal, mais quand on était en difficile, on marquait pas aussi facilement, faut pas déconner. Voilà, on va faire quelques petites phases de gameplay, puis après je vous montrerai quand même ce qui a fait le charme aussi de FIFA 98, c'est le foot en salle, quoi. On a tous adoré. Allez, mais moi pour ma part, ouais, même si j'étais un pro ISS Pro à l'époque, je me rappelle, mon père il jouait énormément aussi à ce FIFA 98 et même 99, et il disait ouais, ISS Pro c'est mieux tout ça, mais quand même là t'as les licences, t'as les vrais noms, regarde le nombre de stades et tout, puis on se prend pas la tête à marquer des buts et tout, tu vois. Donc ouais, je comprends aussi quoi. Mais ah, le débat faisait rage à l'époque, les FIFA, les ISS Pro, eh oui, mais des souvenirs de ouf, quoi. On est à des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui avec eFootball et puis FC machin et FIFA et puis machin. Enfin bon, bref. Pour faire l'histoire. Puis bon, cette bande son quoi, avec Blur et tout derrière quoi. Oh là là. Ça nous manque tellement. Allez, on va se faire une dernière contre-attaque et puis après on passe au foot en salle. Allez, attention. Un coup de triangle, on défonce tout. La frappe et le but. Allez, on passe tout de suite au foot en salle. Alors, pour le foot en salle, j'ai basculé avec les clubs, mais pas n'importe quel club, parce qu'on est sur la saison 97-98, que le titre de Division 1 à l'époque s'est joué entre Lens et Metz. Et oui, on est loin de l'époque actuelle avec le Paris Saint-Germain, etc. Metz et Lens, et moi en tant que supporter messin, c'est une année inoubliable, parce que on n'a pas gagné le titre. À une journée de la fin, le Lens de Tony Vérel qui était un petit peu plus fort, malheureusement. Et ouais, c'est vraiment des souvenirs de ouf. Le grand Metz avec Robert Pires.
Sylvain Castendutch, Lionel Letizia, Rigobert Song, et j'en passe. Enfin, franchement, voilà, des souvenirs de ouf. Donc, le foot en salle. Alors, évidemment, je promets ça. Le foot en salle qui existait déjà dans FIFA 97. Mais dans les souvenirs, on pense toujours à FIFA 98. Je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, FIFA 98 a plus marqué que FIFA 97. Donc voilà. Alors, notre fameux terrain, capacité de 13 500 places, record affluence 15 000. C'est parti. Alors, rappelez-vous, c'était du 5 contre 5. Voilà, donc Letizy Song, Castel de Tchoufin Traoré contre Varmus, Valem, Sikora, Foé et Dromjda. Dommage, il n'y a pas Tony Verret et Robert Pires, peut-être dans les remplaçants. Mais ouais, franchement, c'est des souvenirs de ouf. Alors, c'est sûr que ça existait déjà dans FIFA 97. Ça a été repris après, beaucoup plus tard, avec les jeux récents, hein, comme Volta Futsal, etc. Mais il y avait ce charme dans FIFA 98, parce qu'en plus, il y avait une vue de dessus, et façon GTA 1 aussi, qu'on va voir dans quelques secondes. Et on avait même des commentaires qui étaient spécial foot en salle. On entend Thierry Gélardi qui justement faisait « Ah, le jeu est plus rapide et tout. » David Ginola. Et puis rappelez-vous aussi les tacs pour récupérer le ballon aussi. C'était excellent, ça. Merci Jean-Luc, un public record pour ce match en salle et tout. Voilà, match en salle et tout. Franchement, sur les commentaires, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment excellent. Allez, la frappe de loin. Oh non, non, la frappe de... Oh là là, le poteau. Enfin, le poteau, le mur. Ah, but! Voilà. Bon, évidemment, encore très bourrin, hein. Mais on s'amuse comme des dames. Moi, je me rappelle avec les cousins, c'était un truc de fou. Pouah. Il y avait des scores fleuve. Mais ouais, ah voilà, regardez, la vue de dessus. Voilà, la fameuse vue de dessus. GTA 1 en mode FIFA, quoi. Mais elle n'était pas super jouable. Je vous avouerai, j'étais pas très très fan. Mais ouais, ah là là, quel souvenir que j'y pense. Même si, effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien mieux. Mais ouais, ça s'est passé. L'effet Coupe du Monde, sans doute, qui a énormément joué. Alors attention, Beaufin, hop, Foué. Romignac. Oh là là, oh, quel but. Égalisation de la même minute. Alors par contre, les drapeaux, les écussons ne sont pas les vrais. Pour le coup, il y a les vrais noms des joueurs, mais il n'y a pas les vrais écussons. Mais quand même, 189 clubs, quoi, j'y pense. Hein. Pouah, vous pouvez jouer. Évidemment, c'est un argument de vente absolu, quoi, quand on est jeune et tout. Ben forcément, on préfère quoi? Jouer avec France-Brésil 98 avec les vrais noms, Zidane, machin, ou Châtillot, ou Ziderme de ISS Pro? Ben oui, quand on... C'est tellement facile, forcément. Même si, au terme de gameplay, ça n'a rien à voir par rapport à ISS Pro. Allez, on va se faire un dernier but, et puis on se retrouve pour le petit débrief. Mais ouais, ça m'a bien fait plaisir de montrer futsal. Et le... Oh là, quel but de Rigobert Song! Puis on pouvait jouer donc jusqu'à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs avec le multitap. Et oui, des trucs de dingue. Allez, on se retrouve pour le petit débrief. Vraiment des bons souvenirs quand même, ce FIFA 98, son accessibilité, sa prise en main rapide, ses licences officielles, son contenu. Moi je me rappelle, hein, on avait fait quand même pas mal de matchs avec les potes, avec les cousins à l'époque. Même si FIFA 99 était encore un cran au-dessus. Mais à partir de 99-2000, moi j'attendais qu'une seule chose, c'était la sortie de ISS Pro Evolution. Et à partir d'ISS Pro Evolution, j'ai quasiment plus jamais touché à un seul FIFA. Ouais, peut-être FIFA 2001 en démo en attendant PES 1, parce qu'il n'était pas sorti en 2000, il n'y avait pas eu de sortie. Mais ouais, non, après, à partir de PES 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai quasiment plus jamais joué à un FIFA, jusqu'au retour en force de cette licence en 2008 avec FIFA 08, parce qu'on n'a pas... On n'a toujours pas compris comment Konami en ratait le coche avec la génération 360 PS3. Vraiment un truc de fou. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de parler de ce FIFA 98, les bonnes grandes heures de arcade 32 bits. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos meilleurs souvenirs sur ce jeu. Et on se retrouvera donc très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao! J'embrasse tout le monde, ciao.